Pour être dans le ring, il faut des années d'entraînement. Alors je vous le demande à tous. Bonjour Banya, bonjour Denis, coucou mes chéris, allô, c'est Barbie Chétif. À l'appareil, t'as vu, pour cette 345e review de merde, avec non pas un jeu mais plusieurs jeux, c'est Capcom Generations sur PS1, et c'est le quatrième disque. C'est une compilation qui comporte 4 disques, 13 jeux en tout. C'est les jeux mythiques, on va dire, les premiers jeux d'arcade de la console, pas de la console, mais bon, de la compagnie. Donc là, le quatrième, c'est des jeux un peu de guerre. Donc on va voir les jeux. Commando, Merx et Gunsmoke. On va commencer par Commando. Je pensais qu'il y avait Forgotten World, mais non, mais alors peut-être que c'est pas Capcom. Donc c'est toujours cette fois-ci en direct live bébé. J'avais un bug de micro en fait, non, quand je capture des fois mon ordinateur ne reconnaît plus la ligne d'entrée micro. Parce que Dazel l'utilise aussi, bon des fois il y a des conflits. Alors est-ce que ça va être un jeu? Ouais bah ça va être les jeux à la Merx. Ah on peut tirer en diagonale au moins. On va se mettre en... Merde. Me mettre en... Oui voilà, on peut jouer le stick analogique. Bon. C'est un peu comme... comment ça... Secret Command sur Master System. Bon là, il y a les 8 directions, et puis avec le stick analogique, c'est assez... assez fluide. Que dire, moi j'en sais rien, on va voir ça, laissez-moi le temps de regarder un peu le jeu. Oula. Donc les éléments du décor servent de... Merde. Servent de... pas d'obstacle, oui ça dépend si c'est l'ennemi d'obstacle. Sinon ça nous aide. Mais de bouclier, putain, j'arrivais pas à trouver le mot, quoi. Bon, on a le tir normal dans les 8 directions, et puis... On a la petite bombe. C'est pas trop dégueu, ça peut aller, oui. Mais on sent qu'on peut vite se rétablir, c'est moins rigide que Secret Command, où là, franchement, on a l'impression que c'était pixel par... Parquet de pixels par paquet de pixels qu'on déplaçait là. Là non, on sent que c'est pixel, donc on peut quand même se rétablir une fois qu'on s'est lancé. Oui, je peux tourner comme ça. Je peux me rétablir, ouais. Par contre, c'est comme dans Secret Command, hein, c'est pareil, c'est une histoire de porte, on détruit les ennemis. À peu près la même chose, le même type de décor. Là, il n'y a pas d'auto-fight par contre. Pas les mêmes ennemis. Et merde! Bon, on va passer là, ça va, j'en ai assez vu. Oui bah allez, tiens, c'est lent là à choisir les différentes lettres. Tiens, les high scores à l'époque c'était vraiment généreux parce que déjà troisième on n'en fait même pas. Non, je vais me casser de là, je vais essayer l'autre jeu. Quit. Voilà, on fait start et après select. Merx. Alors toujours entendu parler de ce jeu, j'y ai jamais joué, on va voir ça de suite. Si c'est comme la compile, hein, c'est les mêmes jeux, ils changent le nom, mais c'est toujours le même moteur. C'est les mêmes moteurs, on va dire, graphiques, ou les mêmes tableaux, mais... Et puis il y a un jeu qui a plus que d'autres, alors qu'au final c'est à peu près la même chose.
merde. Bon là c'est quand même un petit peu mieux fait. Hein. Vite, j'appuie sur analogue, oui, parce que chaque fois ça réinitialise. Là, il n'y a toujours pas d'autofile dans ce truc-là. Il y a quand même un problème avec ces musiques là, depuis le début, là, tous les. Genre 4 du début, je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent. Qu'est-ce qu'ils utilisaient, mais c'est très dans les aigus là. On a quand même une réalisation un peu au-dessus quand même, beaucoup plus au-dessus que au-dessus de Commando. Battu. Je crois qu'il existe une version Neo Geo qui est un peu. Je crois avoir vu une version Neo Geo qui était un petit peu mieux, plus belle. Mais je suis pas sûr. Hein. Bon, là au moins ça nous change de décor. Hein. On passe vraiment. Autre chose, même si c'est les mêmes ennemis, les mêmes bombes, on va dire. Et merde. Donc là, on a une barre de vie, c'est un petit peu mieux, on peut se faire toucher plusieurs fois. On va un peu continuer le jeu, mais. J'y avais jamais joué, et puis je. Waouh! Du poulet KFC, du poulet KFC avarié. Ceux qui vont à KFC, hein, quand il est vert le poulet, le directeur dit que non, il faut quand même le faire bouffer aux gens. Hein. Donc du poulet vert qui pue la poubelle, ben, à KFC ils le font quand même, ils le vendent aux clients. Parce que pour les clients, ils réservent toujours ce qu'il y a de mieux. C'est du poulet made in France, hein, du poulet franco-français, donc il est tout verdâtre. Il est avarié, mais on vous le vend quand même. Et puis les gens, ils s'en rendent pas compte, quoi. Les gens, ils continuent à y aller. Donc il y a des intoxications alimentaires, hein, quand même. Mais comme ça. Comment on fait pour passer? Ah, voilà. Il y a les flèches. Comme ils ont des bons avocats, et bien en fait, et que les gens continuent à. Genre, les gens vont à KFC. Et comme ils vont aussi ailleurs en fait, après ils ont là une méga gastro, ils se disent pas ben c'est parce que je suis allé à KFC. Ils savent pas trop pourquoi. Mais après ils continuent parce que ça marche aussi par bouche à oreille, tout le monde se refile les bonnes adresses. C'est un peu comme le. Comment il s'appelle? Il y avait un chirurgien mort, le MAURE je crois. Qui en fait il faisait des trucs. Quand il opérait les nanas pour leur mettre du silicone. Il les opérait sans anesthésie, elles avaient un de travers, un qui était plus petit que l'autre, des trucs, mais vraiment un boucher. Et les nanas, en plus, ils faisaient payer en. Comment ça s'appelle en. Au noir. Et bien, quand même, le mec, il a réussi pendant des années à gagner sa vie parce que ça marchait au bouche-oreille. Tout le monde se. Les nanas, elles se refilaient les bonnes adresses. Avec. KFC c'est pareil, bref, là maintenant on revient sérieux au niveau du jeu, c'est ce qui m'énerve dans ce jeu, c'est qu'on peut pas loquer la tirer vers le haut, vous voyez, quand je recule, et ben ça tire vers le bas, il y a un jeu comme The Ninja, sur Master System, il y a un bouton où quand on tire, ben en fait, ça tire vers la direction, mais un autre bouton où ça loque vers le haut. Ça fait un tir vertical vers le haut. Ce qui fait que quand on recule, on peut reculer tout en continuant. Tout en continuant à tirer vers le haut. Et donc c'est super pratique parce qu'on peut voilà, on peut reculer, on peut gérer. Là non, c'est affreux quoi, parce que le temps de reculer et de revenir vers la truc, on perd du temps.
vers la cible, on perd du temps. Ouais. Dans un autre, on pourrait. Là, je suis passé à travers ça. Je veux pas dire qu'il est mauvais, mais c'est une autre époque, quoi. C'est. Ah bon, on va vers la gauche. Ça me plaît pas trop, quoi. C'est. Il me gonfle ce jeu, donc on va arrêter là les frais, on va passer au dernier jeu, on va se quitter, on va se casser d'ici et on va faire le dernier jeu. Gunsmoke, voilà. Oui, ils ont quand même bien réparti les jeux, hein. Chaque disque de cette complice est à peu près les mêmes jeux, hein, avec quelques variations, mais. Mais c'est un peu con parce qu'on se rend compte qu'ils ont pas trop de créativité. Hein. Quand ils tiennent un truc, ils refont 50 fois la même chose, ils changent le nom, un peu l'univers, un coup western, un coup commando bodybuildé. Ah là, il y a un scrolling. Ah là, bon, là du coup, ça va me gonfler parce que. Ah là, par contre, il y a un tir. Voilà, là déjà, c'est bon. Avec carré, on tire vers la gauche. Ah putain, non, il y a 4 boutons. Ça, c'est déjà un peu plus sympa. Donc, les 4 boutons de la manette, hein, le bouton X, c'est-à-dire le bouton vers le bas, on tire la. Merde. X. Donc, c'est le tir centré vertical. Comment ça s'appelle ? Triangle, c'est les, voilà, le tir sur les deux côtés. En V. Le bouton carré, c'est vers la gauche, les deux. Et le bouton rond, merde, c'est vers la droite en diagonale. Donc l'intérêt de ce jeu, c'est justement ça, de passer d'un certain tir, il faut se souvenir. Mais là, sur une manette PS1 ou PS2, c'est instinctif, parce que justement, c'est en diagonale, quoi. Les quatre touches sont assez bien orientées. Donc on va relancer le jeu, parce que quand même, là, je peux aller loin, si je m'arrête maintenant, c'est bon quoi. Si je peux, j'appuie sur Start là, allez. Donc c'est assez instinctif. Putain, on a même R et L où c'est. Putain, il y en a. En fait, on a les. Non. On a 6 boutons là. Si je tire vers le 0, le rond, ça va bien en diagonale. Si je tire vers R1, ça fait centré et vers le. Oui, ça fait une espèce de. Pas tout à fait, c'est entre les. Entre le centre et la diagonale. Donc en fait, vaut mieux utiliser le R1 et R2 finalement. R1 et L2. R2. Un coup, les balles, elles s'arrêtent à mi-parcours et des fois, elles vont tout au long de l'écran. Et on peut appuyer sur R1 et L1 en même temps. Que vu que de tirer tout sur le côté au diagonal, vaut mieux qu'il y ait toujours un tir qui soit un peu au centre, hein, parce que les ennemis arrivent aussi vers le centre. Donc en final, vaut mieux utiliser R1 et L1. Là, c'est cet ennemi sur le côté, là j'aurais dû le tuer dès le départ, voilà, maintenant c'est fait. Et putain, le temps de gérer là. Il est assez dur le jeu. Si en plus s'il n'y a pas de checkpoint, il faut tout se retaper. Par contre, la portée, là, des fois ça touche le sol à mon tir et des fois. Je me suis fait tirer d'où là? J'ai pas compris. On relance une dernière partie. On D3, c'est celui qui finalement. Bon, c'est le LR un peu chiant là, les scrolling. Mais vu l'histoire de touche, c'est assez sympa ça de. Chaque touche, en fait, c'est un tir d'une direction différente. Il faut gérer ça. Ah, le baril ne sert à rien. On va le dégommer, là, si on peut. Putain, j'y tire dessus, là-haut. Bon, on peut prendre des bottes de vitesse et ça. D'accord. Oui. Bon, ben déjà, c'est mieux quand on a le. On peut marcher vite. Et est-ce que les bottes vont durer assez longtemps, par contre? Parce que j'aimerais bien aller un petit peu plus loin dans le jeu, parce que sinon, c'est la honte, quoi. Mais putain! Y a pas de checkpoint, putain, il faut tous retaper.
vraie technique, c'est déjà de dégommer tous ces enculés. Ah voilà, c'est en fait, c'est, il fallait tirer dans le tonneau. D'accord. Là, si on peut pas le détruire avant, c'est fini. Mon Gunsmoke, ça peut être pas trop mal ce jeu. On prend le bonus. Bon voilà, c'est un petit peu en avance cette compilation quand même. Hein. C'est rendre des jeux trop vieillots. Hein. Donc, ciao Piptou pour une prochaine vidéo. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. A plus mes puces.